Comment un apatride arménien est devenu un des symboles de la résistance en France? Misak Manouchian naît en 1906 à Adiyaman, au sein de l'Empire ottoman. À 9 ans, il perd ses parents dans le génocide des Arméniens perpétré entre 1915 et 1916. Il arrive en France en 1925 et s'engage pour l'intégration des immigrés. Passionné de poésie, il écrit aussi dans des revues. Pendant la guerre, il est d'abord mobilisé, puis s'implique dans la résistance sous l'occupation avec d'autres camarades immigrés du Parti communiste. Ce collectif de résistants étrangers parisiens est surnommé Groupe Manouchian. La plupart des membres, dont Manouchian, sont arrêtés en novembre 1943. Ils sont torturés et fusillés le 21 février 1944. Aucun n'a parlé. La propagande nazie cherche à les discréditer en placardant une affiche rouge dénonçant une armée du crime composée d'étrangers. Mais l'affiche n'a pas l'effet escompté. Au contraire, elle fait d'eux des héros martyrs.